Nous continuons dans la lignée de vidéos pour diminuer notre empreinte carbone, notre empreinte environnementale, afin de vraiment offrir un avenir meilleur pour les générations suivantes, parce que nous pensons que c'est important que chacun fasse des gestes qui vont faire la différence. Aujourd'hui, la vidéo va parler de solutions pour diminuer, pour se débarrasser de nos objets sans pour autant les mettre dans la poubelle. Ces solutions vous intéressent? Restez avec nous, on vous en parle tout de suite après ceci. Salut, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement, où on vous présente des astuces en rangement, en organisation et en productivité. Merci beaucoup de nous suivre, d'être abonné à notre chaîne. Faites-nous part de vos commentaires sous notre vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager avec votre entourage. Alors, aujourd'hui, on veut vous montrer plusieurs façons de se départir de ces objets, mais de manière un peu plus éco-responsable. On va vous suggérer quelques trucs et on va également vous dresser une liste de plusieurs endroits qui sont disponibles au Québec. Avant de se départir d'un objet, par contre, on veut toujours considérer s'il peut être réutilisé ou peut être réparé. Maintenant, l'idée, c'est pas de garder des articles dans une pile, dans une boîte pour se dire « on va les réparer éventuellement ». C'est vraiment de se donner un délai pour dire « je veux réparer tel objet parce que j'ai vraiment une utilité en particulier ». Si c'est le cas, c'est correct de le garder. Si vous pensez aussi réutiliser un objet ou vous avez quelqu'un en tête qui pourrait réutiliser cet objet dans votre entourage, vos amis, votre famille, c'est correct aussi de le donner au suivant. Mais il faut vraiment avoir une idée précise de à qui ça pourrait servir. Est-ce que cette personne a vraiment le besoin d'avoir cet objet-là chez elle? On ne veut pas simplement se départir et dire « oh, le voisin en a peut-être de besoin, on verra ce qu'il peut faire avec ». C'est vraiment d'avoir quelqu'un en particulier. Sinon, on va l'offrir à une œuvre de charité. Parlant d'œuvres de charité, beaucoup d'organismes de bienfaisance acceptent toutes sortes de dons, tels que les livres, les vêtements, les meubles, les jouets, etc. Assurez-vous par contre de choisir un organisme qui correspond à vos valeurs et qui remette les objets de façon responsable. Au Québec, par exemple, Renaissance est un bon centre qui va prendre toutes sortes d'objets. Il y en a sûrement un près de chez vous. Sinon, faites le tour autour de chez vous. Il y a sûrement des sous-sols d'église ou d'autres centres de dons qui vont correspondre à ce que vous désirez. Il en existe vraiment plusieurs sortes. Mais assurez-vous que vos objets que vous donnez sont en bon état, car ce ne sont pas des ramassis de déchets. Si vous n'êtes pas certain de savoir ce qui sera accepté, posez-vous ces deux questions-là. Est-il en bon état ou peut-il se vendre? Alors, si l'objet est endommagé ou il est non fonctionnel, il ne sera pas pris dans le centre de bienfaisance. Donc, apportez-le pas, ça sert à rien. Ensuite, existe-t-il un endroit où cet objet serait plus apprécié? Si le centre se concentre sur l'aide aux sans-abri, apporter des vêtements chauds ou des articles de toilette va être beaucoup plus approprié que d'apporter des jouets. Si les jouets, peut-être, il faudrait choisir une garderie ou un centre pour mères monoparentales, ça va être beaucoup plus approprié. Donc, vérifiez ces questions-là avant d'aller porter vos objets au centre de bienfaisance. Une autre option, ça serait d'organiser une vente de garage ou utiliser des plateformes en ligne pour vendre ou échanger vos objets avec d'autres personnes qui seraient intéressées. Ça peut donner une seconde vie à certains articles et réduire la nécessité de produire de nouveaux objets aussi. Il existe aussi des centres de revente tels que des friperies, il y a aussi Very Smart, Vinted, Upcycly, Bon Magasinage pour ne nommer que quelques-uns, mais ceux-ci vont vous permettre de vendre vos objets usagés plus facilement grâce à l'accès à une plateforme qui est beaucoup plus populaire. L'autre option, ça serait d'avoir des séances d'échange qui pourraient vous permettre d'échanger des vêtements avec d'autres vêtements de d'autres personnes. Donc, le principe, c'est vraiment vous apporter vos vêtements usagés et selon la qualité et certaines marques, des fois, ça va vous donner des points que vous allez pouvoir avoir pour acheter des nouveaux articles de d'autres personnes qui seront sur place. Tellement intelligent. C'est vraiment une excellente option.
Certaines autres personnes s'occupent aussi de vendre à votre place des objets, des fois d'une grande valeur, comme des antiquités ou certaines œuvres d'art. Donc, c'est vraiment aussi une autre option à considérer. Si les objets ne peuvent être récupérés ou recyclés, renseignez-vous sur les options de recyclage dans votre région et la méthode appropriée pour chacun des matériaux. Le papier, le verre, le plastique, le métal sont des matériaux qui peuvent être facilement recyclés de chez vous. Par contre, certains objets tels que les piles, les ampoules, les produits chimiques ou même les appareils électroniques nécessitent une élimination plus spéciale. Alors, renseignez-vous dans votre quartier comment on peut éliminer ces produits-là, souvent un éco-centre ou un endroit spécifique pour remettre ces articles-là. Maintenant, si vous n'êtes pas certain de savoir qu'est-ce qui va vraiment au recyclage, à la poubelle, il existe vraiment une application qui s'appelle « Ça va où ?». Et cette application vous permet de savoir exactement si vous pouvez jeter, recycler ou si vous devez apporter un objet dans un centre de don près de chez vous. C'est gratuit et ça vaut vraiment la peine. C'est super facile à utiliser. Vous avez simplement indiqué l'objet dans le moteur de recherche et ça vous donne, dans le fond, votre solution. C'est vraiment une belle façon de s'assurer de se départir de quelque chose de façon éco-responsable. Vous contribuez à réduire les déchets puis à préserver votre environnement. L'utilises-tu, toi, ça va? Toujours. Tout le temps, moi aussi. Tout le temps. Moins une fois par semaine. Merci beaucoup de nous suivre. Et si vous avez des questions en rangement, en productivité ou en organisation, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnées de chez SOS Rangement. À bientôt. Bye.